Tu veux peut-être l'envoyer à Sam ? Vraiment ? Quoi ? C'est pas moi qui dis que c'était l'expert en piraterie. Mais c'est toi qui vois. En voilà déjà une. Et la deuxième. La dernière. Voilà, on va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais, ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais ? T'as juste pris des photos. Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr ? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça ? Des indices ? Ouais, fais voir. Et voilà. Oh, oh, oh. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais, et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, matelot, c'est ça ? Quoi ? Prodeus quod licentia. Non, non, c'est pas possible. Quoi, pas possible ? Oh là là, c'est tellement évident. Nate ! Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux ? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein ? Dis-moi plutôt de quoi attends, tu parles ! Attends, attends, Sam, t'as eu les photos ? Quelle surprise ! Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan et deviner qui décroche. Ça va, Nate ? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro ? Sullivan l'a laissé sur une serviette ? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah. J'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi ? Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire, elle est plutôt du genre à se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow, Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber, tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout te pardonner, en souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Rafe. Je t'avoue quand même que c'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Prodeus quod licentia, pour tuer la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la croix ! Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin que tu le crois, tu vas accepter mon offre. Tu décides quoi ? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel, alors ? Attends, Nate, raccroche-moi ! Nate ! Quoi ? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS, hein ? On se voit bientôt, mon pote. Merde. Laisse-moi deviner, des types armés vont débarquer dans le coin. Sam ! Pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire ? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es, et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Rafe nous a localisés. Un endroit planqué. Oh, merde ! Sam ! Sam ! Bon sang. Hé ! Je t'en paierai un autre. Sully. Je crois que c'est la tour de Sam. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Eh bien, par ici. Ah, excusez-moi,